God is good. Dieu est bon. God is good. Dieu est bon. This is the time where I have a hard time saying that God is good all the time. Les moments pareils sont des moments où j'ai du mal à dire que Dieu est bon. I believe it. Je le crois. And I believe that everything that he does has a purpose. Et je crois que tout ce qu'il fait a un but. And indeed, everything that he does et tout ce qu'il fait is for our good. Et pour notre bien. But at the same time, en même temps, when it happened to you, quand ça t'arrive à toi, when you hear that from far, quand tu entends ça de loin, it's easy for you to say, c'est facile pour toi de dire, it's good all the time. Dieu est bon tout le temps. But when it happened to you, mais quand ceci t'arrive, that's when you begin to realize, c'est quand tu commences à réaliser that indeed I'm only human. Que je suis seulement humain. And that I need you et j'ai besoin de toi to help me one day at a time. De, pour m'aider un jour à la fois. Maman rejoice. Brother Fabrice. Père Fabrice. Bijo. Maman Brigitte. Miss Hollywood. Cécile. We just wanna encourage you. On veut vous encourager. And tell you, take it one day at a time. Et vous dire, prenez-le un jour à la fois. The Lord is gonna give you strength. Dieu vous donnera la force. Only God can give you strength in this situation like this. Il n'y a que Dieu qui peut vous donner la force en des circonstances. I'm about to share the word of God with you. Je vais partager la parole de Dieu avec vous. My objective is to encourage you. Mon objectif c'est vous encourager. But I've been in this place before. Mais j'ai déjà traversé des moments pareils. I know when you go home. Je sais quand tu rentres à la maison. When everybody here gone home. Quand tout le monde est rentré chez eux à la maison. When nobody is around. Quand personne n'est autour de vous. It's gonna come hit you again. Ça va vous frapper encore. But when it hits you. Mais quand vous êtes en ce moment-là. It's okay to cry. C'est correct pour vous de pleurer. It's okay to cry. It's not a sign of weakness. Ce n'est pas un signe de faiblesse. It's a sign of love and affection you have for the person you love. Que vous avez pour la personne que vous aimez. So if you have to cry, cry. Donc, si vous devez pleurer, pleurez. Jesus is a great example for us. And he did cry when he lost his friend quand Lazarus. Il a perdu son frère, son ami Lazare. But even as you cry, mais même quand vous pleurez, remember that dad is not dead. Rappelez-vous que papa n'est pas mort. He just changed destination. Il a juste changé de destination. And that there is a sure promise. Et qu'il y a une promesse qui est sûre. That rather rapture happened first or death happened first. Que ce soit l'enlèvement ou bien que la mort arrive en premier. There is a sure promise. Il y a une promesse qui est sûre. That we will meet again. Nous allons nous rencontrer à nouveau. And when we meet, et quand nous nous rencontrerons, it's not so that somebody will die. Ce n'est pas pour que quelqu'un meure. It's for eternity. Ce sera pour l'éternité. That's how you get your strength. Et c'est comme ça que vous trouvez votre force. Alléluia. Amen. I came to meet Papa Emmanuel the first time I went to Togo. J'ai rencontré Papa Emmanuel la première fois que je suis allé au Togo. And ever since, every time I went to Togo, we met. Et toutes les fois que je suis allé au Togo, on s'est rencontrés. When Fabrice was reading the biography. Et quand Fabrice lisait la biographie. And I heard a testimony from Papa Léon who was talking about humility. Et j'ai entendu le témoignage de Papa Léon qui parlait de l'humilité. Indeed, he's very humble. C'est vrai qu'il est vraiment humble. Because all the time we met. Parce que toutes les fois qu'on s'est rencontrés. We talk, we ate together. On a parlé, on a mangé ensemble. He never tell me about what education background he had. Il m'a jamais parlé de son éducation. He never tell me what company he worked for. Il m'a jamais parlé de la compagnie dans laquelle who il a was travaillé. In life. Ou qu'est-ce qu'il faisait dans la vie. Just a very simple person. C'est quelqu'un de très simple. This is my first time to hear. Et c'est ma première fois d'entendre. That he has achieved this kind of qu'il things. Qu'il a accompli toutes ces choses qu'on a dites ici.
We live in a world where people think like their degree defines them. On vit dans un monde où les gens pensent que c'est leur diplôme qui les définissent. Their position defines them. Leur position les définit. The size of their house defines them. La grandeur de leur maison les définit. But learn from your dad. Mais apprenez de votre papa. I told you I met him. Je t'ai dit je l'ai every rencontré. Every time I went to Togo. Et toutes les fois que je suis allé au Togo. This is the first time. C'est la première fois. I'm hearing that he had this kind of education. J'ai entendu qu'il avait ce genre d'éducation. He never talked about it. Il n'a jamais parlé de ça. We talked about you guys. On parlait de vous. He charged me with a mission. Il m'a donné une mission. To care for you. De prendre soin de vous. But this is not just a mission that he's giving to me. Mais c'est pas seulement une mission qu'il m'a donnée à moi. I remember the first time Mama Rijos came to church. Je me rappelle la première fois que Mama Rijos est venue à l'église. Sister Veronique Mama. Is la, she here in the sœur side room? Veronique Mama. Veronique is the one who invited Mama Rijos to church. C'est la sœur Véronique qui a invité Mama Rijos à l'église. Thank you. Merci. I'll always be grateful. Je serai toujours reconnaissant. And Mama Rijos came to church. Mama Rijos est venue à l'église. A few days later, she told me I need to pick up a kids that are coming from, I believe, in Minnesota. Minnesota. Elle m'a dit qu'elle devait prendre ses enfants qui venaient de Minnesota. And I just got a new van. J'avais une nouvelle van. That brother Kenom gave to me. Que mon frère Kenom m'avait donné. Serge. I was preaching Serge. Je prêchais. And Serge told me to come to his house. Et Serge m'a dit de venir dans sa maison. And we drove in with his van. On a conduit avec sa van. And he asked me, "You like it?" Il m'a dit, "Tu aimes ça?" I said, "I like this van." J'ai dit, "J'aime la van." He said, "You can have it, it's yours." Tu peux avoir la van, elle est à toi. May God bless Kenom where he is. Que Dieu bénisse Kenom là où il est. Amen. Will help me a lot. C'est un homme qui m'a beaucoup aidé. So I used a van with alors, Pastor Octave. J'ai utilisé cette van avec Pastor Octave. We went to pick up Fabrice and Pidjo. On est parti prendre Fabrice et Pidjo. At the Greyhound bus station. À la station de bus Greyhound. The first Sunday they have to come to church. Le premier dimanche, ils devaient venir à these l'église. These two guys were fighting. Ces deux personnes ici se chamaillaient. Outside of the church. En dehors de l'église. Arguing. À l'extérieur de l'église. And Mama just told me to go tell them to come in. Et Mama just m'a demandé d'aller les dire. So I went in and said, "Guys, come in the church." Alors je leur ai dit, venez dans l'église. I did not know that it's going to be our praise and worship leader je one day. Pas, il serait notre leader de, that is going to bless us so much. Qu'ils allaient nous bénir tellement. And I didn't know that this is going to be my assistant coach one day. You know, when if I want to get Pidjo. Vous savez si je vais avoir Pidjo? I get Pidjo once a year. Je peux l'avoir une fois par année. When I'm recruiting players. Quand je suis en train de recruter for my school les team, joueurs pour mon équipe I'll call him and say, "Pidjo, I need another eye to tell me which one I need to kick out." J'aimerais avoir un autre œil pour voir qui je dois it prendre. It doesn't matter where Pidjo is. For il soccer, est. He's going pour to come. Foot, il va venir. It's going to be, say, "Pastor, you need to kick that one out. Il you need to pastor, get this one." That's when we meet. C'est comme ça qu'on se rencontre. For soccer. Pour le foot. But I didn't know all those things on that day. Mais je ne savais pas toutes ces histoires. But something happened on that day. Un jour, une chose s'est passée ce jour-là. When I finished to preach. Quand j'ai fini de prêcher. Sister Pelagie. La sœur Pelagie. The wife of Serge. La femme de Serge stood up and gave a prophetic message. S'est levé et a donné un message prophétique. He said, "Pastor." Il a dit, "Pasteur." These are your children. Elle a dit, "Pasteur, voici tes enfants." God wants you to take care of them. Dieu veut que tu prennes soin d'eux. This is the word, and I took that very seriously. Et j'ai vraiment pris cette parole là très sérieusement. And that's why I'm very hard on you, man. Voilà pourquoi je suis très difficile avec vous. Because I want you to succeed parce so bad. Parce que j'aimerais que vous puissiez réussir. And this guy, even though he ran away, I'll leave him messages. Même si celui-ci il fuit, je lui laisse des messages. I'll call until he will call back. Je vais l'appeler jusqu'à ce qu'il va rappeler. Because I don't take that lightly. Parce que je ne prends pas ça à la légère. But you know, when I was at the last trip I did to Togo. Le dernier voyage que j'ai fait au Togo. I told Daddy. J'ai dit à papa. That Fabrice and Pidjo, they need a man in their life. Que Fabrice et Pidjo ont besoin d'un homme dans leur vie. And you need to come quickly. Et tu dois venir rapidement. Especially Pidjo. Especially Pidjo. He need a man. Il a besoin d'un homme. Who's going to be talking to him. Qui doit lui parler. And he told me. Il m'a dit. Can you be that man for est-ce me. Est-ce que tu peux être cet homme pour lui. Until I get there. Jusqu'à ce que j'arrive. I said I've been trying my best. Et j'ai dit je vais essayer de mon mieux. He hugged me. Il m'a embrassé. And squeezed me, did not want to let go. Il m'a tellement embrassé fortement qu'il ne voulait pas me laisser partir.
When he finished to hug me, quand il a fini de m'embrasser, he told me, il m'a dit, thank you for everything. Merci pour tout. And he was pouring tears. Il pleurait. I told my wife, j'ai dit à ma femme, this guy loves his family. Cet homme aime sa famille. And I know he promised me, say, pastor, je sais qu'il m'a promis, il m'a dit, pastor, I will do everything je ferai de mon mieux, je ferai to tout join you very soon. Pour vous rencontrer. And I know with the tears that were coming from his et eyes, je sais qu'avec les larmes qui venaient de ses yeux, that he meant business. Il était vraiment, that he was sérieux. Really serious about it. Il était très sérieux. I came to talk with Mama Rejoice. Je suis venu, je parlais à Mama Rejoice. Every system was put in place et tout, on a mis tout ce qu'il fallait mettre en place for him to come. Pour qu'il vienne. But he didn't make it. Mais il n'est pas arrivé à accomplir ça. Praise be the name of the Lord. Que le nom de l'Éternel soit béni. We make plan, nous faisons des plans, but it's only the plan of the Lord that will be fulfilled. De l'Éternel qui se fait prévaloir. So I take it serious. Donc je prends ceci sérieusement. To do what is assigned to me to do. De faire ce qu'il m'a demandé de faire. So I will encourage you. Donc je vais vous encourager. To keep pressing on in serving the Lord. De continuer à servir l'Éternel. Pidgeot was always going with me when I'm going to preach. Pidgeot avait l'habitude de partir avec moi là où j'allais prêcher. Carrying my Bible. Il portait ma Bible. I used to see him as my little future pastor. Et j'avais l'habitude de le voir comme mon futur pasteur. It's not too late. Ce n'est pas trop tard. It's in you. C'est en toi. All right? It's in you. C'est en toi. You can be a superstar. Tu peux être une superstar. And be a man of God at the same time. Et être un homme de Dieu en même temps. There's no difference. God is calling you. Dieu t'appelle. Use this moment. Utilise ce moment. And to do that. Le fait pour faire at ce least for daddy. Au moins pour papa. That was his wish. C'était ça, sa that you will be in the church. Que tu sois à l'église. And you will serve God. Et que tu serves Dieu. One of the ways you honor him. Et une de façon pour l'honorer. Is for you to do that. Et de faire ça. Be in the church. Sois à l'église. You can be cool. Tu peux être cool. 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 Beautiful car. Avec beautiful une wife. Belle femme. Nice house. Belle maison. Young. Jeune. Great coach. Un and you still coach. Love Jesus. Mais aussi aimer Jésus. You lose nothing. Tu ne perds rien. If you want to dance, si tu veux danser, oh, we can cut dance here, man. Nous pouvons danser we can ici. Do that in the church too. On fait ça à l'église. Hallelujah. Amen. I finished the sermon for the family. J'ai fini la prédication. Let pour me now preach to you. Maintenant, je vais prêcher pour vous. Open the Bible in the book of Acts chapter 21. On va lire dans Acts chapitre 21. We're going to read 10 to 14. 10 à 14. I have a few minutes to share with you j'ai something simple. And we're going simple. To pray. We're going to let you go home. Et on va prier, on va vous laisser aller à la maison. Please, if you can stand, we are going to read together. Si vous pouvez vous lever, on va lire ensemble. Let's read together. On va lire ensemble. And as we stayed many days, a certain prophet named Agabus came down from Judea. When he had come to us, he took Paul's belt, bound his own hands and feet, and said, thus said the Holy Spirit, so shall the Jews at Jerusalem bind the man who owned this belt and deliver him into the hands of the Gentiles. Now when we heard these things, both we and those from that place plead with him not to go up to Jerusalem. Then Paul answered, what do you mean by weeping and breaking my heart? For I am ready not only to be bound, but also to die at Jerusalem for the name of the Lord Jesus. So when he will not be persuaded, we cease saying, the will of the Lord be done. Can you say the will of the Lord be done? Est-ce que tu peux dire que la volonté du Seigneur soit faite? Let me ask you this question. J'aimerais te poser cette question. How many of you here have a prophet that you trust, at least one? That you know prophète? This one is a man of God. When he speaks to me, I pay attention. Vous avez confiance. En moins un. A prophet that you trust. I know there's so many false prophets nowadays, but at least one that you trust. Okay? Now, suppose that the prophet, please have a seat. Suppose that the prophet comes to you
and tells you, dise, don't go to High Point. N'allez pas à, ne va pas à High Point. Because if you go there, parce que si tu vas là, you will die. Tu vas mourir. They will bound you, on va te lier, and you will die. Et tu mourras. What should be your answer? Quelle sera ta réponse? Huh? I will thank him, right? Je vais le remercier. And I will cancel all appointments, even if I have to pass through High Point. Je vais annuler tous mes plans, même si je vais passer à côté de High Point. I have to figure out another way. Je devrais trouver un autre moyen. Is that not the right thing? N'est-ce pas que c'est la meilleure Because chose? You believe Parce que tu crois that there is a danger. Qu'il y a un danger. A prophet is a watchman. Un prophète, c'est une sentinelle. He goes in the presence of the Lord dans la présence de l'Éternel, in prayer, and God gives en him prière, messages. Et Dieu lui donne des messages. I strongly believe that this man of God heard from God. Et je crois fermement que cet homme a entendu he de left Dieu. From where he was, il a quitté de là où il and était, he came to meet Paul, il est venu rencontrer Paul to deliver a message to pour him. Lui donner ce message. He did what we call prophetic sign. Il a fait ce qu'on appelle des prophéties. He took a belt of Paul, il a pris la ceinture de Paul and did a prophetic gesture. Il a fait un geste and release the word. Et il a sorti la parole. Paul knows Paul sait that what this man is saying que cet homme est en train de dire is the truth. Et la vérité. But yet, mais he said, il dit, I'm not only ready to be bound, je ne suis pas seulement prêt à être but attaché, I'm ready to die mais dead. Je suis prêt à mourir. Hallelujah. Amen. My question to you tonight, question, if a call comes for your day, si y a un appel qui vient pour votre jour, will you be ready? Est-ce que tu seras prêt? Alléluia. Amen. Don't leave this place without answering that. Ne quitte pas cet endroit sans pour autant répondre. If you read in chapter 20 of the same book of Acts, si vous lisez le chapitre le chapitre 20 de ce même livre, twice they tried to kill Paul. Deux fois on a essayé de tuer Paul. And Paul was alerted. Et Paul a été alerté. The last time they wanted to bring him into an arena. La première fois, on voulait l'amener dans un arena. And so that they can kill him there. Pour qu'on puisse le tuer là. The people persuaded him. They said, "Don't go." Les gens l'ont persuadé. Ils lui ont dit de ne pas partir. Paul did not go in. He did not go in. Il n'est pas parti. He decided not to go. Il a décidé de ne pas partir. Another time. Une autre fois. That he was in the boat. Il était dans un bateau. And they let him know that there are plots against him in the boat. On lui a dit il y a un complot contre lui dans le bateau. Paul left the boat. Paul a quitté le bateau. And went to meet them the other side. Il est parti les rencontrer de l'autre côté. Why this time Pourquoi he said? Cette fois-ci il a dit. I'm ready now. Je suis prêt. Hallelujah. You want to understand why? Si tu veux comprendre pourquoi, let me take you to 2 Timothy. Je vais vous amener à 2 Timothée. Chapter 4. Chapitre 4. If you had a chance, read from 1 all the si way to 14. Chance, lis à partir de 1 jusqu'au 4. But for the sake of the time, let me just read verse 7 Mais and verse 8. Temps, on va juste lire le verset 7 et 8. Hear what the Bible said. Voici ce que la Bible dit. Go to verse, actually start at 6. Tu peux commencer à partir du verset 6. The Bible said, for I am already being poured out as a drink offering, and the time of my departure is at hand. Verse 7, it says, I have fought a good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Finally, there is laid up for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will give to me on that day. And not to me only, but also to all who have loved his appearing. Now listen carefully. Écoutez attentivement. Paul knew very well il savait that the moment has come. Que le moment était arrivé. There are many people, they sense the moment coming. Il y a beaucoup de gens qui peuvent sentir quand leur moment arrive. But they are not ready. Mais ils ne sont pas prêts. I know a king. Isaiah came to talk to him. Isaiah est venu lui parler. And he said that you are going to die. Il lui a dit, tu vas mourir. He said, please, can you give me more years? Non, est-ce que tu peux me donner plus, un peu plus Remember de me. Rappelle-toi de moi. Because he was not ready. Parce qu'il n'était pas prêt. And we know God gave him 15 years. On sait que Dieu lui a donné 15 ans. And we know what happened during that 15 years. Et on sait ce qui s'est passé pendant ces 15 he was not with God anymore. Il n'était plus avec Dieu. Hallelujah. And when he came to Paul, et quand il en vient de Paul, he did not argue. Il n'a he said, your will be done. Il a dit que ta volonté soit I'm faite. Ready to go. Je suis prêt à partir. Why did he do that? Pourquoi? Number one. La première chose. Because he
kept the faith. Parce qu'il a gardé la foi. Alléluia. Amen. Despite all the challenges in his life, quels que soient les défis qu'il avait dans sa vie, Paul kept the faith. Paul a gardé la foi. Hallelujah. Amen. He said, I fought a good fight. Il a dit, j'ai combattu le bon combat. Later on, when you read somewhere, he said, fight is instructing us now. He said, fight a good fight of faith. Et quelque part d'autre, il nous parle de combat, le bon combat de la foi. His fight was not to have big houses. Son combat n'était pas pour avoir des grandes maisons. There's nothing wrong about it. Il n'y a pas de God can bless you. Hallelujah. But that was not his fight. His fight was not to be known and be popular. His fight was not to be powerful. His fight was that when his turn would come, that he would still be with his faith. And he knew, I have gone through hell. I have gone through all kinds of crazy things. But I kept my faith. And because I kept my faith, que j'ai gardé ma foi, and because we are saved by grace through faith, et parce que nous sommes sauvés par la grâce au travers de la foi, I'm ready. Je suis prêt. Secondly, deuxièmement, because he said, I finished the race. Il a dit, j'ai fini la course. How do you know you finished the race if you don't know even your purpose? Si tu as fini la course, si tu ne connais pas ta destinée. Paul knew his purpose very well. Paul connaissait sa destinée. He knew why God called him. Il savait pourquoi Dieu l'a appelé. And if you read chapter 19 of Acts, chapter, si tu lis le chapitre actually 19, you can start even from chapter 9 when God called him. Au chapitre 9, quand God tells Ananias he will suffer for my name's sake. Dieu a dit à Ananias que Paul souffrira pour son in nom. In chapter 13, you will see that they say, set me apart, Paul and Barnabas, for the work that I've called them. Mettez à part Paul et Barnabas pour le travail que j'ai prévu pour eux. He never stopped. Il n'a jamais arrêté. Persecution, all kind of les persécutions et tout ce qui pouvait arriver. Forward. Il continuait à avancer. And in verse 6, au verset he 6, said, I feel like I'm being pouring like a drink. It dit, means I've given all that dit, I got. Il a donné tout ce qu'il avait. I didn't reserve nothing. Je n'ai rien gardé pour moi-même. And that's why I think. Voilà pourquoi je crois. I am ready. Que je suis prêt. I kept my faith. J'ai gardé ma foi. That will bring me to heaven. C'est ce qui va m'amener au ciel. I finished my race. J'ai fini ma course. That will give me a crown. C'est ce qui va me donner la couronne. There are people who are gonna go to heaven. Il y a des gens qui iront au ciel. But no crown. Sans couronne. I always say, not everybody who lives in America lives in Beverly Hills. Ce n'est pas tout le monde qui vit en Amérique qui vit à Beverly Hills. Some people will be in the project of heaven. Il y aura des gens qui seront dans les projets, des maisons de projets du ciel. Hallelujah! Amen. No crown. Pas de couronne. Because they just believe, they have faith. Parce qu'ils croient seulement, ils ont but they never serve. Mais ils n'ont jamais servi. But Paul did both. Mais Dieu a fait, Paul a fait les deux. I kept my faith. J'ai gardé ma foi. I'm qualified to go in. Je suis qualifié pour aller. But not only that. Mais pas seulement ça. I finished my race. J'ai fini ma course. But it was not easy for him to finish the race. C'était pas facile pour lui de finir cette course. There are things he had to fight for. Il y a des choses qu'il devait combattre. Number one challenge he had. Le premier défi qu'il avait. His own flesh. Sa propre chair. See, brothers and sisters. Nobody is your competition. Il y a personne qui est ton compétiteur. Our life is parallel. I've been teaching it lately. J'ai enseigné ça dernièrement. Everybody have his own nous fingerprint. Avons une vie parallèle. Hallelujah. Amen. Everybody have his own fingerprint. Nos empreintes digitales. Everybody has his purpose. Chacun de nous everybody has destinée. His own mission. Nous avons nos missions. So don't compete with people. Alors ne sois pas en compétition compete avec with your quelqu'un. Own destiny. Sois en compétition avec ta hallelujah. Propre destinée. Are you understanding? Amen. Paul's first fight was his own flesh. De Paul était sa propre he chair. Said, I treat my flesh hardly. Il a dit, il I crucify it daily. Il crucifie sa chair because chaque jour. The flesh leads you into sin. Parce que la chair te conduit au péché. When you read Galatians chapter 5, quand verse 19. The Bible talks about the desire of the flesh. La Bible nous parle des désirs de la chair. Paul knew that this thing can take my faith away. Paul savait que ces choses pourraient empiéter sur sa foi. Lying, fornication, mensonge, gossiping, anger, all those things they list there. Adultery, uncleanness, all those things. Paul said every day. Paul disait chaque jour. He's telling himself. Il se dit à lui-même. You're not going to do this. Tu ne vas pas faire ça. You're not going to do this. Tu ne vas pas faire ça. You're angry, but you're not going to open your mouth and talk. Be quiet.
He said, I'm treating my body so hard. Why? Because you know that nobody who commits such thing will inherit the kingdom of God. Why should man win the whole world and lose his own soul? Hallelujah. Amen. Number one fight. Second fight. Le deuxième combat. Kingdom of darkness. Le royaume des ténèbres. In Ephesians chapter 6, 12, he said, we wrestle not against blood and flesh, but we wrestle against principality and power in the spiritual realm. The influence of the devil is real. L'influence du diable est réelle. It's pulling you ça te tire, into life of sin that can prevent péché. You to keep your faith. C'est not only to keep your faith, but foi, to prevent you to even serve God, de servir Dieu, to discourage you, pour te décourager, to give you a kind of reason, de donner une raison, to hate the church, de haïr les to gens, hate the people, de haïr les to gens, hate all kind of things. You isolate yourself at home. They ask you why. You say, I'm running away from problems. Let me tell you, if you don't look for problems, problems will find you. All those things, Paul fought against it. Paul a combattu contre ces choses. Thirdly, troisièmement, he fought against wicked people. Il a combattu contre les méchants. If you read verse 14 of 2 Timothy chapter 4, Paul said, Alexander, the metal worker, has done me so many wrong things. Hallelujah. Amen. In this life, dans cette vie, there are people y a des gens that the devil will use que le diable va to make your life miserable, pour rendre ta vie miserable and to cause you to be discouraged, et te faire à ce que tu sois découragé, to take decisions that you don't want to take. Paul had those kind Paul of people too. But he said, I'm not going to lose heaven because of you. Can you lift up your hand and say, I'm not going to lose heaven because of anybody's foolishness? Your mouth belongs to you. My heart belongs to me. I can't control what you can say, but I can control what I put in my heart. Hallelujah. Amen. I cannot let you cause me to lose heaven. Number four, if you read from verse 1, he's teaching Timothy, and he's talking to him about how the people are following what was popular. He said, my son, Timothy, there is time coming where people would like to hear things that are nice in the ear. They would like to accept tradition. Ils voudront accepter la tradition. What is popular? Ce qui est populaire. What is acceptable? Ce qui est acceptable. The norm. But I'm asking you, mais je te demande à toi, to stay away from that. De rester loin de ça. I believe today we are living in that time again. Et je crois aujourd'hui nous vivons dans ce temps encore. Where people just want to be pleased. Où les gens veulent juste plaire. Nobody wants a teaching that is telling you repent. Il y a personne qui aime des messages qui disent repens-toi. Everybody wants you to tell them that they're going to go to heaven no matter what they do. Quel que soit ce qu'ils font. They can live like the devil, but God is love. He's going to put them in heaven. But they forget that the same God who's love is also God of justice. Because of love, he will forgive every sin. But because of justice, he must punish all sin. But because he don't want you to die, he gives you another chance. And even tonight, you are listening to me, that's another opportunity. For you to repent. Pour que tu puisses te Don't try to fit in the society. Ne cherche pas à te conformer à la société. Hallelujah. Amen. He said you are in the world. Il a dit tu es dans le monde. But you are not of this mais world. Tu n'es pas du monde. You are the salt of the earth. Tu es le sel de la It terre. Means you are the one who's supposed to influence. C'est-à-dire c'est toi qui dois influencer. Cook your nice food. Prépare ta bonne But nourriture. When you put salt there, quand tu mets fat le sel, salt is going to determine how your food is going to taste. Le sel va déterminer Or somebody shout hallelujah. Hallelujah. If you cook your food, you put salt there, si salt is going to let you know I'm over here.
That's the way you have to carry your life. When you show up, they cannot lead you. You must be the one leading them. Because greater the one in you than the one is in the world. He called you the light of the world. When you put the light here, darkness must leave. Les ténèbres doivent disparaître. Can somebody turn on the light for me quickly? Est-ce que quelqu'un peut éteindre la lumière pour moi, s'il vous plaît? Light refuses to come. La lumière refuse de venir. Turn on. Allumé. Mm-hmm. Hallelujah. Amen. When we turn it on, what happened? Quand on allume, qu'est-ce qui se passe? Darkness gotta go. Les ténèbres doivent disparaître. You don't have to chase darkness. Tu ne dois pas suivre. Be the light, darkness is going les to ténèbres. Go. Sois seulement la lumière, les ténèbres I vont disparaître. I thought somebody get this. I said, you don't have to chase darkness. Be the light, darkness will know what to do. Sois la lumière et les ténèbres sauront quoi faire. Number five. Chose. He fought the world system. Il a combattu le système du monde. The world has its own system. Le monde avait son propre and système. He forces us to abide into it. Et il nous forçait d'adhérer à ce système. Paul was beaten. Paul a été frappé. Was put in jail. Il a été mis en prison. And he was even killed. Il a été même tué. He said, I will not submit il a dit, in your je system. Ne me soumettrai pas au système. I am in this world. Je suis dans ce monde. But I'm not of this je world. Je ne suis pas du monde. Hallelujah. Amen. That's the fight you need to fight. C'est ça le combat que vous devez combattre. Fight a good fight of faith. Combattez le bon combat de la against your flesh. Contre votre chair. Against the kingdom of darkness. Contre les against the wickedness, les ténèbres, wicked people. Against the norm. Contre la norme, and against the world system. Et contre le système du why monde. Should you do that? Pourquoi vous devez faire ça? Paul gives us a reason. Paul nous donne une raison. He said there is the crown of righteousness. Parce qu'il y a une couronne de la justice. Waiting for me. M'attends. Yes, I want to go to heaven. Oui, je vais aller au ciel. But I want to live very close. My house needs to be neighbor to Abraham and Isaac. Mais ma maison doit être vraiment très près de la maison d'Abraham. Grandpa Abraham, let's talk. Grandpa Abraham, tell Grandpa, me about the day they told you to kill your son. What was going on in your head? Ce jour-là où tu devais tuer ton fils, c'était comment? Then you will be very far if et you are not careful. Tu seras très, très loin là-bas. There is a crown waiting for you. Il y a une couronne qui nous attend. Hallelujah. Amen. Keep your faith. Gardez votre foi. And serve God. Et servez Dieu. You don't have to just to serve God in the building. Tu n'as pas besoin de servir Dieu every seulement dans person you meet out there toutes les personnes que vous rencontrez is your dehors, opportunity to serve c'est une God. Opportunité pour vous it could be just Dieu. A smile. Ça peut être un sourire. It could be just hello. Ça peut être un bonjour. It could be just take this $5. It could dollars. Be just a ride. Ça peut être it could be just be a shoulder for somebody to ça cry. Ça peut être juste une épaule pour que quelqu'un pleure. Serving God is not complicated. Servir Dieu n'est pas compliqué. Don't waste your time. Ne perdez pas votre all temps. The signs are there. Les signes sont là. If death doesn't get you, si la mort ne te prend pas, rapture is coming. L'enlèvement vient. Where will you spend your eternity? Où est-ce que tu vas passer ton éternité? And if you are in heaven, et si tu es au paradis, which neighborhood? Dans quel quartier God tu seras? Bless you. Amen. Clap your hands for Jesus. Acclame l'Éternel. Let's all pray. Nous allons prier. Before I let you go. Avant que je ne vous laisse partir. I want to do two things. I want to pray for the family, but before that, choses. I want to pray for you. J'aimerais prier d'abord pour vous et puis je vais prier pour la everybody famille. Close your eyes. Tout le monde ferme ses yeux. I got two questions for you. J'ai deux questions pour vous. And I want you to answer it. Et j'aimerais que vous puissiez répondre à ces without questions. Anybody's influence. Sans l'influence de quelqu'un. Not even me. Même pas mon influence à moi. First question. Première question. Have you get to the point in your life that you know for sure that if you have to die today, you're going to go to heaven. Est-ce que tu es à ce point de ta vie où tu es tellement sûr que si tu meurs aujourd'hui, tu vas aller au ciel? Without a doubt. Sans doute. If you are that person, lift up your hand. Si tu es cette personne, lève ta main. If you don't think so, lift up your hands. Si tu ne penses pas, lève ta main. Si tu ne le crois pas, okay. Those of you lift up your hands, I think I have a good news for you. But let me ask you the second question. Je vais poser la deuxième question. Suppose that you die.
à supposer que tu meurs. Like we are thinking about Papa Emmanuel. Comme nous sommes en train de penser à Papa Emmanuel. And you show up in front of Jesus. Tu meurs et tu te mets et tu and es he en face asks de Jésus. You a question. Et Jésus te pose la question. Why should I put you into my heaven? Pourquoi je dois te mettre dans mon paradis? What will be your answer? Quelle sera ta réponse? If you say because I'm a good person, si tu dis parce que tu es une bonne personne, the Bible condemns you. La Bible te condamne. The Bible says there's nobody who's good except Jesus. La Bible dit il n'y a personne qui ne soit bon à part Jésus. If you say that I go to church, si tu dis je vais à l'église, the Bible says even the devil goes to church too. La Bible dit même le diable va à l'église. So which one qualifies you? Alors c'est quoi qui te qualifie? And if you say et si tu dis that you have sinned at least one time, que tu as péché au moins une fois, let me tell you, je vais te dire that 1% of a poison, que 1% de poison make the entire bottle poison. Rend toute la bouteille poisonneuse. So one sin disqualifies you for donc, heaven. Un péché te disqualifie. So I ask a question again. Alors je vais préposer la question. How many of you here? Combien d'entre vous you ici? Are sure. Vous êtes sûr that if you have to die today, que si vous mourrez aujourd'hui, you are going to heaven. Vous allez au paradis. If you are not sure, lift up your hand. Si tu n'es pas sûr, lève ta main. Don't worry about people. If you are not sure, lift up your hands. Si tu n'es pas sûr, lève ta main. God bless you all for lifting up your que hands. Dieu vous bénisse pour avoir levé vos mains. Now I have a very great news for you. J'ai une très bonne nouvelle pour vous. That you can know for sure right now. Sûr en ce moment-ci. This is how you know. Et c'est comme ça. The Bible said. La Bible dit. Because God so loved the world. Parce que Dieu a tant aimé le monde. He gave his only begotten son. Il a donné son fils unique. That whosoever believes in him. Afin que qui croit en lui. Will not perish. Ne périsse pas. But will have everlasting life. Et qu'il ait la vie éternelle. Today. Aujourd'hui. And right now. Et maintenant. Jesus is here. Jésus est ici. How do I know? Comment je sais? He promised. Il a promis. That where two or three are gathered in his name, là où deux ou trois sont assemblés en son nom. So he is here. Il est ici. And he's knocking at your door. Et il toque à ta porte. If you open it today, si tu ouvres cette porte aujourd'hui, he come into your heart. Il viendra dans ton cœur. That's your ticket to heaven. Et voilà ton ticket pour it's not paradis. About what you do. Il ne s'agit pas de ce que tu fais. It's about what he has done. C'est à cause de ce qu'il a fait. He has paid the penalty of all your sins. Il a payé les pénalités de tes and péchés. And he has done that in full. Et il a fait ça en totalité. He did not pay down payment. Il n'a pas donné juste une portion. He paid completely. Il a payé complètement. All he's saying. Tout ce qu'il dit. Transfer your trust to yourself to mine. C'est de transférer la confiance que tu as en moi. And let me come in your heart. Et laisse-moi venir dans ton cœur. And be the pilot of your life. Et être le pilote de ta vie. Then you are safe. Alors là, tu es sauvé. If you want to do that, et si tu veux le faire, or eyes closed, tous les yeux fermés, please stand on your feet if you are that person. And I'm going to pray for you. Et je vais prier pour toi. God bless you. Que Dieu te bénisse. God bless you. Dieu te bénisse. God bless you. Dieu te bénisse. God bless you. God bless you. Dieu te bénisse. You may be here and you say, tu peux être ici et tu te dis, I know Jesus in my heart. Je connais Jésus dans mon cœur. But for those five reasons pastor just talked about, mais à cause des cinq raisons que le pasteur est en train de parler, I backslided. J'ai reculé. But today, mais aujourd'hui, I want to come back home. J'aimerais revenir à la maison. Please stand up in your feet too. Lève-toi sur tes pieds. You are that person who said, me, cette personne qui te dit, I backslided. J'ai reculé. I want to come back. J'aimerais revenir in the things of God. Dans les choses de Dieu. Stand, please. Lève-toi, s'il te plaît. God bless you, my brother. Que Dieu te bénisse, mon frère. Now, I want you to do the most courageous things in your life. Et j'aimerais que tu fasses quelque chose de très courageux dans ta vie. Leave where you are and come forward here and meet me. Et viens ici devant. And I'm going to pray with you. Et je vais prier avec toi. And please, your eyes is closed, but you are clapping hands because there is a party in heaven. Tes yeux sont fermés, mais tu acclames parce qu'il y a une fête dans les cieux. As you are taking this decision, the Bible says that there is a party in heaven. La Bible dit il y a une fête dans when les people des return cieux, home. Quand les gens, quand and les Papa gens must be maison. Very happy. Et Papa doit être très content. That in the day of his memorial service, que le jour de son service, there are people who came back. Il y a des gens qui sont him, revenus à la and maison. Say, I surrender. Et ils ont dit je me soumets. My brothers, my sisters who are in front here. Mes frères, mes sœurs qui sont ici you devant. See, we are not better than you.
Nous ne sommes pas meilleurs que vous. Actually, you are better than us. Actuellement, vous êtes mieux que nous. Because you were not ashamed of God. Parce que vous n'avez pas eu honte de Dieu. And he said, because you were not ashamed of him. Et il a dit parce que vous n'avez pas eu honte de lui. He will testify of you before the angels. Il va témoigner de vous devant les anges. And those who are ashamed of him. Et ceux-là qui ont honte de lui. He will also be ashamed of il them. Aura aussi honte. So I want to give you a chance, you the one who's there. Alors, j'aimerais te donner I'm going to count to three. Je vais compter jusqu'à trois. You come here. Tu one. Venir ici. Un. God is calling you Dieu and is saying to come forward so il we dit, can pray for you. Pour qu'on puisse prier pour toi. I see somebody hands up there. Come. Je vois Don't la worry main de about quelqu'un the people. Là-bas. Viens. Two. Deux. And three. Et trois. Let's pray. Prions. Stretch your hands towards these brothers and sisters. Tendez vos mains vers ces I ask you please to kneel down. Je vais vous demander de vous agenouiller, vous qui êtes là. And I'm going to kneel down with you. Et je vais m'agenouiller avec vous. We are not in front of people. Nous ne sommes pas devant les gens. But before God. Mais nous sommes devant Dieu. Repeat after me. Répétez après moi. Say, Lord Jesus. Seigneur Jésus. I believe in my heart. Je crois dans mon cœur. And I confess from my mouth. Et je confesse de ma bouche. That you are my Lord and my Savior. Que tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Come in my heart. Viens dans mon cœur. And have your place. Et prends ta place. Be the King. Sois le roi. Forgive all my sins. Pardonne tous mes péchés. Wash me. Lave-moi. Devil, diable, I don't belong to you. Get away pas. From me. Va loin de In moi. Jesus' name. Au nom de Jésus. As you pray this prayer, quand vous avez prié cette prière, your name that was already written in the book of life, ton nom qui était déjà écrit dans les livres de la vie, is there. Est là. And no one can take it away. Et personne ne peut enlever the next time a preacher asks you a question, la prochaine fois qu'un prédicateur posera la question, are you sure you're going to go to heaven? Est-ce que vous êtes sûr d'aller au ciel? Tell them yes. Faut dire oui. And if they ask why, et s'ils disent pourquoi, don't tell them how good you are. Il ne faut pas leur dire But combien tell tu es them bon. Because I've accepted Jesus Mais in my life. C'est parce que j'ai accepté He has Jésus. Forgiven my sin, il a pardonné mes péchés. Past, present and future. Passé, présent I've been et futur. Set free, et j'ai été libéré. I belong to the kingdom of God. Au royaume de Dieu. That's a good answer. Amen. Amen. May the Lord be with you. Que you can have your vous. Place. Vous We place. Clap our hands for Jesus. Amen. Congratulations to all of you. Max, I miss you, brother. Good to see you. Amen.